Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce stream du mercredi 8 mai 2024 sur Stellar Blade. Il est temps pour nous de continuer nos petites aventures. Donc en off, j'ai essayé de faire quelques quêtes, mais c'est super long. Salut à toi mon Mika, comment il va mon Mika Games? Également merci à Matt pour son passage, je te souhaite une très bonne game avec tes potes encore une fois. Et j'espère que tu vas bien. Alors, c'est vrai que j'étais... Ouais, écoute, ça va. J'en ai pépouze. Ça change. Alors là, je crois que c'est encore un casse-tête de l'enfer. Oh, vous avez une tête bien faite. Voulez-vous une énigme plus difficile à résoudre? Enfin, j'ai fini le jeu. Ah ouais! Éteint? Ça va, ça a été? Pas eu trop d'obstacles pour finir le jeu. En tout cas, GG à toi. Alors, attends, j'ai sorti la calculatrice des enfers. Mode final horrible. Je suis passé en histoire. Ah ouais, carrément. Carrément. Ah, j'imagine qu'il devait être horrible pour que tu changes de level de difficulté juste à la fin. C'est Zik. La celle qu'on entend là maintenant? Ouais. Faut trop bien. Elle est vraiment trop bien. Alors là, j'arrive pas à capter. 928. 37. Ah, celle-là, elle est déjà un peu plus chiante que l'autre. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ah, je crois que j'ai capté. Putain, par contre, c'est... c'est un vrai casse-tête. Donc le 2 du 21, ça ferait 3 x 3 sur celui de gauche, ce qui fait 9. Le 1, ça ferait... Bah non, ça ne fonctionne pas. 7, 14, 21, 28, il faudrait que ça s'ouvre 4. Je suis en train de me prendre la tête. Bon, je crois que je laisse tomber. Je reviendrai en off ici plus tranquille. Ouais, j'annule. Mais j'ai ces nombres de quêtes. C'est un truc de ouf. J'en ai trop. Après, c'est vrai qu'il y a Eidos 7. Faudrait que j'y retourne. Mais là, tout ça, je ferai en off, ça. J'ai pas envie de passer... Mes lives à faire des quêtes secondaires. Que l'histoire principale elle est vraiment cool. On est vraiment dans une série sud-coréenne quoi. Au niveau de l'ambiance. Parce que j'ai pas encore débloqué le grand désert. À moins que je me trompe. C'est quoi ça? J'ai pas souvenir d'être venu ici moi. Ah, c'est bien ce que je me disais. Merci. En même temps, il y a tellement de trucs à récup. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de se lancer dans Stellar Blade à chaque fois. Et alors, Mika, tu comptes faire un New Game Plus? Tu comptes faire quoi? Ou ranger le jeu de côté?
Lily. Je viens de réaliser que j'avais oublié l'héritage récupéré à la matrice. C'est vrai! On l'a laissé dans le tétrapode! Je vais le chercher. Bien, allons donc voir ça. D'accord. Je me demande ce qui va nous attendre cette fois-ci. Hachi! J'ai toujours pas utilisé son pouvoir. 52, après la deuxième plongée. Cinquième enregistrement. Héritage de Raven. Je suis la seule survivante. La vérité est toujours décevante. J'ai collecté beaucoup d'informations avec les enregistrements du labo et les souvenirs des légionnaires. Nous avons toujours suivi les instructions. Ouais, c'est juste Luca. C'est pas Tachi. Elle était notre. J'ai confondu comme ça au premier notre regard. Salut, notre déesse. Cependant, au fond, la matriarche n'était qu'une intelligence artificielle puissante créée par l'humanité. Autrefois, un ingénieur du nom de Raphaël Marx vivait ici. C'était son créateur. La matriarche a apporté la prospérité à l'humanité. Mais elle semble avoir changé d'avis à la création des Androeidos, des androïdes à son image. Face aux limites de l'humanité et au potentiel des Androeidos, elle a estimé que les humains n'avaient plus leur place. Franchement, au premier coup d'œil, ouais, je pensais que c'était Tachi. La déesse de l'humanité. Ouh là là, je me trompe de femme. Mais pourquoi vénérer la matrice? Depuis hier, je l'ai plus joué online. Ah, ok, c'est vrai qu'ils l'offrent ce mois-ci là. Tout ça. Même offert, je suis pas sûr de vouloir y jouer. La matriarche. Un être qui a été créé. De nos propres mains. Ah ouais, c'est une intelligence artificielle. Les matchs contre mes potes, ça va. Ouais, c'est clair. Pourquoi veut-elle nous détruire? Non, ça peut être kiffant. Ces données sont vraiment erronées. C'est invraisemblable. Et de là, acheter le jeu... Ouais. En général, les choses n'existent que parce que les gens les créent. Comme nous. Comment oses-tu? C'est un blasphème! Un sacrilège! Oui, désolé. Mais seule la vérité importe, aussi cruelle soit-elle. La grâce de la matriarche est une fable. Du moins pour les humains encore ici. Vous finirez aussi peut-être par l'accepter. Quoi? Lily, Adam. Nous n'en savons pas assez. C'est peut-être un tissu de mensonge. Ah, ouais. T'as raison. Pas sûr. Il nous faut plus de données. Adam, guide-moi à la fosse de Levoir. Pas sûr que ce soit un tissu de mensonge, j'ai fait une quête secondaire où je devais récupérer un bouquin dans une bibliothèque. Ça disait que la matriarche était un peu à l'origine de tout ce bordel. Alors non, je suis pas FIFA en plus Team PES, mais c'est dead depuis longtemps. Ouais, c'est dead depuis très longtemps. Et moi j'ai toujours été Team FIFA jusqu'au 17. Après j'ai pris PES 2018, parce que FIFA... Quand j'ai vu FIFA 2018, ce qu'ils en ont fait, j'ai vomi. FIFA 19 pareil, 20, 21, 22, enfin bref, tous les FIFA après le 17, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est n'importe quoi. Mais PES 2018, c'était un truc de fou quoi, j'ai tellement kiffé. Ah ouais, PES 5, ouais, ça date. Mais le gameplay, c'était tellement jouissif, c'était le plus important. Et ils ont oublié ça. Konami, bon, maintenant, PES, c'est leur truc gratuit, là.
Mais à ce qui paraît, ils ont vraiment bien amélioré le jeu. Parce qu'au début, c'était l'enfer. Plein de bugs, très mal modélisé, tout ça. Ah, maintenant ça va. Mais le gameplay FIFA, j'y arrive plus, quoi. Oh ouais. Konami, je sais pas ce qu'ils foutent, mais. En plus, ils ont des licences tellement fortes. Je comprends pas non plus ce qu'ils font. Rien qu'à voir Silent Hill 2 Remake, qui devait à l'origine sortir en 2023. Ah, mince. On dirait que le sable a endommagé le moteur. Nous allons devoir marcher. Ah, c'est ça le grand désert. Est-ce que ça te convient, Eve? Ouais, ça me convient, j'ai un milliard de missions ici. Soutiens-moi. Très bien. Même les recycleurs expérimentaux. Salut à toi, Popeye. Comment qu'il va, notre Popeye national? Ça ne nous arrivera pas. Youhou! Regarde-moi tout ce que j'ai à faire. Le roi, nanana, la rencontre. J'ai trop de trucs. Ah, j'ai la tour solaire. Complexe important. Je vais aller là en premier. La tour solaire Aventou. Merci pour le prout, Mika. Mieux que hier déjà. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais ça va aller toujours petit à petit. C'est vrai que les premiers jours quand t'as la gastro, c'est l'enfer. Mais après, ça va. Voilà. File-moi tous tes petits trucs là. Putain, maintenant ils se baladent par trois. C'est Arba là. Ça c'est du désert. Par contre, faire tout ça à pied. J'espère qu'il y a des petites cabines téléphoniques un peu à droite et à gauche. Oh là, il y a quelque chose dans le sol là. C'est quoi ça? Oh, l'esquive, t'as rien compris frérot. Éliminer des rôdeurs dans le grand désert, 1 sur 5. Ah ok, ça fait partie d'une quête secondaire. C'était le prout de bienvenue. Gaffe, il y a des ennemis ici, ils sont pas commodes. Ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Je vais essayer de speed jusqu'à la tour là. On me dit que c'est par là. 500 mètres. Oh, c'est une nouvelle chanson en plus. Oh, c'est rempli d'ennemis. Il y a des humains, il y a des caisses. Oh là là, je vais tellement m'amuser en off, moi. Là, il y a quelque chose ici. Ça me semble bizarre qu'il y ait rien. Oh, il y a juste des caisses. Ah, ok. Mais attends, la tour, elle est où? 421. D'accord, faut que je fasse le tour. Très bien. Mais il y a une tempête là-bas. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais vers la mort. Allons jeter un œil. On trouvera peut-être quelque chose. Ah. Oh, attends, il y a un petit camp là. Attends. Faut que j'aille là-haut. Ouais, comme par hasard, je peux pas taper ces machins, ces boîtes là. Ouais. D'accord, ok. La BO du jeu 20 sur 20, ouais. Ah, ça m'a sauté aux oreilles, le changement d'ambiance dans le grand désert. Calmez-vous. Oh, les sales. «
Dites hein, s'il y en a d'autres. Hein. Je vais me faire un plus. Ça, j'ai cru qu'il y en avait un autre. Mais. Oh, le jeu, s'il te plaît. Mais ne me fais pas ça pour un millimètre. Voilà, merci. Ah merde, c'est vrai! Il y a aussi un problème avec ce corps, c'est évident. C'est vrai, il faut que j'aille à la tour. On dirait qu'il n'est plus du tout alimenté en énergie. Mais ouais! Le fail. Le problème, c'est que la tour solaire est au beau milieu de la tempête de sable. Youhou! Je crois. Cherchons plutôt des sentinelles. Elles pourraient peut-être nous aider. D'accord. Cherchons des sentinelles. Ah, ça va être quand même plus simple pour venir ici. C'est pas vrai. C'est quoi ED fait ED? Tout va bien? Il faut faire quelque chose. Ta blessure a l'air grave. Ça n'a pas d'importance. À vrai dire, j'ai un service à te demander. Je t'écoute. Le capitaine pensait que les temps. Ah ouais, c'est impossible pour moi de deviner ça. Électricité de France. Ok. Il a formé une escouade spéciale et nous a donné une mission. Nous devions. Non, je connais pas, non. Ici, on a les SIG. Les archives dans les ruines. Service industriel, je ne vois. Est couverte de sable à cause d'une défaillance du système de terraformation. Il y a une tour au sud, mais la tempête de sable nous bloque la vue. Nous avons utilisé les drones de service pour redémarrer la tour solaire et alimenter le système. Oh, ça fait quelques années, je crois que ça s'appelle NJ. Il y a eu des documentaires sur eux. Étant donné qu'ils ont un genre de monopole et qu'ils contrôlent les prix, ils s'en mettent plein les poches. C'est comme à l'époque avec le gaz de France. Ceux qui sont restés en dessous de moi sont morts et j'ai à peine pu m'en tirer. L'ange, peut-être que les drones que nous avons utilisés devraient se trouver à proximité de la tour. Ah bah non, Mika, s'il n'y a pas de concurrence, laisse tomber. La tour. Si tu y parviens, je t'en serai infiniment reconnaissant. Mes camarades pourront reposer en paix. Très bien, je m'en occupe. Mais fais soigner ses blessures. Merci. Allez. Merci pour le groupe route. Réactivez les drones. C'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu de concurrence. Ça fait pas de mal, bien au contraire. Pareil pour le secteur du JV. Hein. C'est un des trois grands acteurs qui crève. Microsoft, Sony ou Nintendo. Ça sent pas bon. C'est jamais bon un monopole. Bam! Allez, redonne-moi de la vie. Oui, merci. C'est pas cool ce qu'ils ont fait hier, ils ont fait quoi? J'ai pas... Je suis très très peu les news. Attends, là il y en a un autre qui va vouloir m'attaquer. Là 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 là. J'adore cette attaque. What? Ah ok. Ils ont fermé plusieurs studios et donc licencié. Ah. Bah Sony ils ont fait la même il y a quelques mois je crois. Ils ont licencié 1000 personnes, un truc du genre.
J'avais entendu que Microsoft avait fait de même avec 2000 personnes. Dont le studio Devil Within. Merde, avec le papa... je crois qu'il s'appelle Mikami. Le papa des Resident Evil. Ah putain. Oh oui, un téléphone. Ah, il s'était barré avant. Ok. Je pensais que c'était encore le directeur de... Je sais plus comment il s'appelait le studio. Mais ouais, des Evil Within, ouais. Il avait fait plutôt... Enfin, quelques petits jeux très sympas. Moi, je kiffais bien. Ah, justement, Evil Within, mon premier jeu sur... sur PlayStation... PlayStation 4. Je crois que je l'avais acheté un an après la sortie de la console. Je l'avais acheté, du coup, en 2014, je crois. Ouais, Hi-Fi Rush, ouais. Mais je l'ai fait parce que j'ai le Game Pass PC. Il est excellent. J'adore le délire d'Hi-Fi Rush. Alors, 200, là il y en a un à 80. On va aller par là. Oh, cette petite musique douce. Oh, je vais me faire massacrer. Oh merde. Merde. Ah putain, c'était vraiment pas le bon move de venir ici, hein, avec des ennemis derrière mon cul. Et un mot de passe. Let's go. Ah tiens, vas-y. Faut que j'essaie de faire des contres. J'ai dit qu'il faut que j'essaye, mais... Là, c'est pas évident à lire les attaques de ces ennemis. Pas grave. Alors, parce que... Il y a un truc là-haut, ok. Faut que je trouve un moyen de monter. Bah par ici. Voilà. Chauve-souris sur patte. Attends. Wow. C'est quoi l'objectif de tout ça? Parce que là, je suis pas sûr de... Ah ouais, putain. Putain, c'était devant ma gueule. Je suis trop fort pour chercher des trucs qui sont juste en face de moi. Du coup, ouais, tu l'as fini en 40 heures, ok. Bah, ça vaut le coup en vrai. Cette sentinelle. Oui. C'est une sentinelle de mieux. Ça change de moi qui est fini. J'ai fini Final Fantasy 16 en quoi? Je crois à 70 heures. Je me suis emmerdé la moitié du temps. Sans exagérer. Si un jeu arrive à... Le châssis de ce drone de service me 40 heures, 40 euros. Ouais, bah c'est ça. Il dit qu'il y en a. Sans te saouler, franchement, je trouve que c'est réussi. C'est un pari réussi du studio. Drone de service activé. Détection d'un complexe nécessitant une maintenance. Début des opérations. Youhou. Et un drone. Super, maintenant il m'en reste 3. 300, là, il y en a un là, 120 mètres. Enfin, je sais même pas si c'est des mètres, mais on va dire que ce sont des mètres. J'espère qu'il y aura une ou deux récompenses. Ah, pour le jeu? Ça dépend, les... Mais en vrai, cette année, en nombre de... Enfin, en termes de titres, il y a
pas des trucs de ouf, hein. On va dire, il y aura Final Fantasy VII Rebirth. Stellar. L'année passée, c'était assez évident que c'était... putain, j'ai oublié le nom. Baldur's Gate 3, je crois. Qui allait tout rafler. C'était très évident. Là, cette année, pas tant que ça. On est qu'à la moitié de l'année, ouais. Mais je suis déjà allé sur... dans le site du magasin où je commande mes jeux. Jusqu'à la fin de l'année, j'ai pas vu de trucs de fou. Mis à part Hellblade 2, c'est quoi la grande sortie? Ben je sais pas. Merde, c'est vrai, je peux pas l'activer. Et encore, on a vraiment une date officielle pour Hellblade 2? Allez, vas-y. Alors là... Non, attends. L'avantage de... d'être sur la Play, c'est que j'ai accès à mon deuxième écran. Hellblade 2 sorti 21 mai 2024. Tu as raison, c'est fin mai, ouais. Oh putain, je savais même pas, ça. Enfin, je savais qu'il y avait une date qui avait été annoncée, mais je me souvenais plus... Oula. Là, il y en a un à 50 mètres, juste là. Oh, les dégâts de chute, tu te fous de ma gueule. J'ai amorti. Drone de service activé. Complexe repéré. Départ immédiat. Badam. Il en reste un qui est là-bas, en face. Est-ce que je peux y aller comme ça? Oui. Oh, tiens, viens là, toi. Saleté! Ah 4 sur 5. Merde, il m'en reste encore un. Oh non. Ils m'ont vu. Et je peux pas lui parler parce que je suis en combat, c'est ça? Ouais. Putain. C'est qui court vite cet arbre pour vouloir me manger? Oh, ce strike! Allez! On a des pouvoirs, c'est pour les utiliser quand même. Initialisation du drone. Terminé. Lien de service créé. Complexe proche opérationnel. Ah, je pense que tu vas en chier. Oh, on verra, ouais, il y a des chances que j'en chie un peu. C'est pas grave, c'est pas pour rien que j'ai mis le jeu en normal. Avoir un petit peu de challenge, ça fait plaisir. What? Non, 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 non. J'ai trop de... J'ai titillé trop rapidement le L1 et la touche carrée. Alors là maintenant il faut que j'aille... Merde, j'ai pas lu. Utiliser le panneau, ok. Bon, on va utiliser le panneau. Ok. J'imagine que c'est un piège à con. Même pas. Ah si. Vous ne m'aurez plus.
Ah, elle est là, la tour. La tour Montparnasse, bordel. Comment tu veux que je monte là-dessus? Faut que je fasse tout le tour, c'est ça? Lâche-moi, bordel! Tu vois que j'ai pas envie de combattre! Chier. Voilà. J'y arrive. Alors d'y voir, il va y avoir quoi? Un gros monstre? Ça en a tout l'air, non? Oh putain! Pourquoi je gagne pas l'euro million, moi? Hacker! Oh le... La classe, mais je lui ai fait aucun dégât. Oh, calme-toi. Mais merde, je fais n'importe quoi. Oh, cette attaque, comment je la kiffe. Et... Oh, il a failli m'avoir. Pardon. Je le fais danser. Allez, danse. Ah putain. Il est chaud ou c'est moi? Putain, le tarba. Wow. Merde. Ah ouais, il fait très très mal. Non, je voulais pas faire ça. Je me suis trompé de touche. C'est pas grave. Ah, je me suis complètement... je voulais me réanimer parce qu'il lui restait pas énormément de PV. Et GG pour le level up Mika. Du coup, level 15 déjà, bien. F, t'as un beau petit cul quand tu cours. Je pense qu'elle le sait, l'actrice aussi. Babas n'est pas là, c'est trop tôt, soigne ton dit. Babas, il bosse, je crois, il rentre chez lui vers 19, 15.
En fait, il rentre vers 19h15, comme ça il a le temps de voir le PSG à la télé. T'aurais pas dû utiliser ta chi... Ouais, je pense. Mais je voulais tester pour une fois, juste voir ce que ça faisait. C'était un combat test. Tu sais très bien que là, maintenant, je vais le rouler dessus à ce mec. Il fou, je suis là aussi. Mais je sais, mon Popeye. Pourquoi? Je dis le contraire. Allez. Connard. Ah putain, j'arrive pas à la voir. Ah merde, j'ai pas assez. Oh, c'est pas juste. J'ai bloqué. Oh, je demande la barre là. Ok. T'es en train de me saouler, frère. Eh, vas-y. C'est absolument pas du tout ce que je voulais faire. Ah putain. Je fais n'importe quoi. Ça me saoule. Surtout qu'il me reste pas beaucoup pour le mettre à terre là. Mais putain, mais vas-y. Voilà, merci. Non, putain. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Ah ouais, merde, du coup j'ai pas toutes mes balles. Ah bah non, j'en ai plus. Puis chier, enfin. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors. Merde! Oh, l'enfoiros! Je m'en fous, c'est pas de la triche, hein. J'utilise les armes du jeu. Allez.
Vamos! Et le jeu qui a bloqué. Attendez, je crois que le jeu il a crash. Oh putain. Je te jure que le jeu il a crash. Je peux rien faire. Ça ne t'est jamais arrivé? Bah... bah moi ça m'est arrivé. Putain mais comme par hasard, au moins crash quand le boss il va pour me buter, je m'en fous, mais pas à la fin. Pas quand c'est moi qui l'écrase. Votre sauvegarde est corrompue. Oui, vous retapez tout le jeu. Allez, tu te retapes le boss. Oh putain, je vais vraiment me le retaper. Hein. Oh, surtout que j'ai utilisé tous mes petits trucs, là. Le jeu, s'il te plaît, t'as pas sauvegardé? Bah non, t'as pas sauvegardé, le jeu. C'est abusé. Ah putain. Ah là 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 là. Le tracker de ses morts. J'aurais dû l'attaquer là. Merci, 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 merci. Oh, ces esquives de ouf. Hein, parce que là, tu m'as énervé, frérot. Tu m'as énervé. Ah là là, dommage, j'étais en train de me marrer, mais ça me faisait marrer. Et maintenant, c'est qui le patron? En plus, il me reste encore des réserves de vie, tout, la totale, bla bla bla. Allons finir de remettre la tour en état. Fou! Courage, merci Biscotto. Allez, tu te le retapes. Moi, je suis chaud, je me le retape encore une fois. Remboursé. Là, tu le refonces et ça recrache. Eh, Mika, tu vas me porter l'œil. Non, c'est bon, ça a pas craché là.
Purée, heureusement que ça m'est pas arrivé, j'aurais ragé comme un crevard. Oh, ça va, je l'ai trahi 3 fois ou 4. Ça va. Bah, c'est respect aux personnes qui restent des fois des après-midi entières sur des boss type dans les Dark Souls. Bon, ça, je sais pas comment ils font. Des heures entières. Et coucou ma Lilou, comment elle va ma chouchoute? Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu vas bien? Dis-nous tout. Cette maîtrise. Ah non, j'étais concentré. Système prêt. Tour solaire, statut normal. Reboot réussi. C'est le mode Tachi qui a fait crash? Bah je pense hein. J'étais en train d'utiliser plein de techniques de Tachi et puis il dit PAM! Crash, pas grave. Bah, j'ai bossé dur comme d'hab. Bah ouais. Comme d'hab, Malilou, courage à toi. Nous y sommes. Je te fais un massage en Bluetooth. Les camps sont de nouveau alimentés en énergie et devraient fonctionner normalement. Merci, merci, Biscotto, pour le bravo. Il crève jamais ton truc. Bah, t'as vu? Voulez-vous retourner maintenant au commanditaire? Oui, oui, oui. Ah ouais, j'allais pas dire en Bluetooth. En Bluefouf. Alors, c'est quoi ça? Parler à Mu? Mission accomplie, Mu. Ah ouais, merde, il est dead. Pour ça, il répond plus. Hey, Mu? Peut-être qu'il a fini par rejoindre ses partenaires. Ou peut-être qu'il est mute. Sans la trompette. Les dénonciations de nuit ont dû être paisibles. Que tes souvenirs perdurent. Pour toujours. Ah, on est d'accord, Mika, on avait la même. Mew, il moute. Bref, allez à la fosse de voix. Putain, j'ai 9 points d'SP. Oh là là, attends, j'en ai plein là. J'avais pas que j'en avais autant. C'est le boss là qui m'en a donné autant. Let's go. Le temps que j'écrive. Ah ouais ouais ouais. J'ai anticipé vos blagounettes. Voilà, alors. Ça, il faut que je l'améliore, mais pas maintenant. C'était quoi que je voulais voir? C'était bêta, oui, c'était ça. Coup de grâce amélioré, rien, le vol croisé. C'est celle que j'utilise, hein? Ouais, c'est celle que. Non, c'est pas. Non! Non, c'est spontané que j'utilise. Ah putain, mais je l'ai déjà au max. Fais chier. Vas-y. Parfait. Da, 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 da. Da, il fait chaud aujourd'hui, j'en peux plus. Mission, des tels. Je m'en fous. On va aller là. À force de le voir. De toute façon, je crois que sur le chemin, il y a. Ouais, j'ai une mission. Bon, j'en profiterai pour la faire. Ou pas. Ça dépend de mon envie. Récupérer le code d'accès réseau. Oh, ça va, c'est easy ça. En plus, c'est le dernier que je dois récupérer. Non, j'ai pas chopé des nouvelles tenues parce que la plupart des quêtes se font ici.
Et j'avais pas déverrouillé le grand désert. Donc je pense que je vais en récupérer pour le live de vendredi. Adam, l'oasis. Je ne comprends pas. Que s'est-il passé ici? La personne que Béatrice cherche doit se trouver par là. En conversation? Ah ok. Du coup, toi, t'as chopé toutes les canettes? Non, je vais pas aller vers le commanditaire. Pour avoir la belle tenue, là. Oh, tranquille! Oh, il pêche le peu cher. Y'a quoi? Oh, y'a un humain. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'on a de beau? Plus mémoire. Il semble avoir coulé à pic. Mais ce corps ne semble pas avoir été attaqué par les Naïtiba. A plus tard, Biscotto, merci non, beaucoup il a plutôt l'air d'être été passé, par c'est une cool. Lame, ça fait plaisir. Non, j'ai 27 ou 28, je crois. Ok. Peut-être que. Chercher l'amant tué par un attaque. Non, arrêtez de me demander de revenir au commanditaire. Pas encore. Oh, la petite musique sous l'eau. Ah non, c'est la même qui est au-dessus. Ok. Elle est trop bien. On dirait un peu la fin d'un anime, tu vois, la petite chanson triste. Hey, je sais pas non plus toutes les tenues, pas grave, je ne vise pas le platine et je les ai vues sur YouTube. Ok, d'accord. Ouais, BO 20 sur 20, je suis d'accord. Quoi? Pourquoi est-ce si important pour toi? Hey, tu m'entends? Oh, ne me dis pas qu'il y a un truc de pêche. Oh, j'ai toujours été nul dans... J'analyse les données de cet objet. Ah non, c'est bon. Ce n'est pas une arme. Peut-être un outil de collecte de données. C'est souple, mais pas très solide. Et très fin. Il risque de se briser au moindre choc. Non, il y a de la pêche! C'est un outil qui vous permet de pêcher, aller au bord de l'eau, utiliser une canne à pêche près d'un coin de pêche pour essayer d'attraper un poisson. Oh non, maintenant. Appuie sur R2 pour prendre le poisson dès qu'il mord. Inclinez dans la direction opposée du poisson et appuyez plusieurs fois sur carré pour l'affaiblir. Oh. Parce que le poisson, appuyez sur triangle, soulevez la manette. Oh, je vais pas soulever la manette, il manquerait plus que ça. Je vais tout péter si je lève la manette. Allez à l'oasis et parlez à Clyde pour obtenir des informations sur la pêche. Pêchez divers poissons pour compléter votre collection et obtenir de précieuses informations comme de nouveaux coins de pêche. Vous pouvez aussi améliorer votre score de pêche. Pour acheter divers objets à la cabane du pêcheur. Oh. Essaye une fois. D'accord. Attends, y'en a un. C'est quoi ça? Faut que je... Ah, il faut que je reste dans la partie bleue. Attends, j'ai un temps limité en plus pour le choper. Nick. Ouais, j'avais pas capté. T'inquiète, la deuxième c'est la bonne. En plus la musique elle est toute calme, elle est très tellement bien.
Vamos. J'avais dit que la deuxième c'était la bonne. Tout ça, putain, tout ça pour un poisson rouge de 200 grammes. Merde. Oh là là. Je m'attendais à un requin, moi, vu la... Merci. Oh, le premier poisson que je pêche, c'est un poisson rouge. C'est pas bon, ça. Non, ça me dérange pas, les jeux de pêche dans les JV, mais c'est vrai que moi je peux y rester tellement de temps. Nick. Allez, viens voir papa. Je ne dis pas que c'est un poisson rouge encore. Un poisson papillon 3 étoiles, 300 grammes. Allez. Il a kiffé le poisson papillon. Oh, merci mon Mika, à boire. Ah ouais, en plus, on est en train de pêcher, forcément. Il faut à boire. C'est un hommage à Francis Cabrel, la cabane du pêcheur, pour rester dans le bleu. Ouais. Parlez, vas-y. Et lui, il a des trucs sympas à vendre. Surprise. Clyde. Les anges ont un don dans tous les domaines, ou c'est seulement toi? Tu es surpris? Je m'attendais pas à une telle réaction de la part de quelqu'un qui vit ici. Tout a disparu après l'extinction de la colonie. Il ne me restait que la pêche. Les ruisseaux ravagés, les réservoirs souterrains, les rivages désolés. Je me suis promené partout avec ma fidèle canne à pêche. Franchement, je pensais abandonner plus vite. C'est... Mais bon, c'était il y a une éternité. Ça fait un moment que je suis ici. On contemple cette eau magnifique et limpide. Le monde est dévasté. Je ne vois pas de meilleur endroit pour passer le temps. Au diable, la matriarche. Autrefois, je maudissais tout ce que je voyais. Mais si c'est elle qui m'a mené ici, alors je lui en suis reconnaissant. Toi, je vois que t'as surmonté ton lot d'épreuves. Dans ce monde, tout le monde a une histoire. C'est bien ton cas, non? Je ne vais pas faire comme si je pouvais comprendre les plans d'un ange. Même si tu veux pêcher, n'hésite pas à venir me voir. Bref. C'est... Comme tu dis, c'est l'apocalypse autour de lui. Puis... Mais bon, moi j'ai trouvé mon petit coin de pêche, mon petit coin de bonheur. Ah, l'ange. Mais donne-moi des trucs. Toujours aussi insouciant, ce que je... Alors... Qu'est-ce qui t'amène? Alors, magasin. Quantité, nanana. Améliore les capacités de pêche. Oh, il me faut un score de 200. Mais vas-y. Appât pour la pêche, j'en ai 7. J'avais même pas que j'en avais, moi. Je peux acheter des bitcoins. Micro un peu plus. Oh, objet utilisable. Appât spécial. Et pêcher de gros poissons. Je crois que j'avais déjà acheté celui-là. Hein. Pas spécial. Au revoir, l'ange. Ils vendent des bitcoins pour les tenues. Ouais. Nous reverrons un de ces jours. Un de ces quatre, ouais. On se reverra. T'inquiète pas. En off, je sens que je vais bien m'amuser avec lui. Avec ma canne à pêche. Ah ouais, non, mais cette musique, elle est top tier. Œil pour œil, dent pour dent, non. Genre, en tout cas, j'ai de quoi faire en off, hein, ça c'est sûr. Toi, tu m'as dit que tu l'as fini en 40 heures, du coup, moi, là, j'en suis à 18 plus... J'en suis à 19. Hein. Je suis à la moitié. Je suis à la moitié de tes heures de jeu. Ah, pourquoi il m'a sélectionné une quête? Ah ouais, il faut que je la porte, ouais. On va aller à la fosse de le voir avant. Une fois que j'arrive là-bas... Oh, attends, il y a le cinquième ici.
fils. Et j'arrive plus à contrer ou comment ça se passe? Ah, j'arrive plus à contrer. Non mais il y a des jours comme ça. Allez, vas-y, viens. Mais j'étais en pleine attaque, je pouvais pas là. Oh bon, tant pis, c'est pas grave. Moi j'ai. Oh, c'est quoi ce truc? Est-ce que je peux lui faire une attaque dans le cucu? Attends. Comme ça, je récupère quelques petits points de vie. Ne faites pas de bruit. Allez, cucu. Allez! Ouais! Là, c'est ce que j'appelle vraiment une attaque dans le cucu! Ah, les fils! Je me suis trop approché trop près de ces machins. Oui, j'ai fait 2 ou 3 quêtes secondaires du tableau d'options, sinon toutes les autres quêtes sont terminées. Ah non, moi j'ai justement pris toutes les quêtes. Même celle du tableau, c'est pour ça que j'en ai vraiment beaucoup là. Attends, je crois que je suis en train d'aller du mauvais côté, non? C'est par là, non? Bon, moi j'ai bien fait, au moins il y avait un module pour améliorer le drone. Mais c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas par là. Bah ouais, j'ai pris le loot du lion, ouais. Ouais, y a plus rien là-bas. Oui, la bête du cucu, ouais, t'inquiète. Ça m'a fait plaisir de... Ces attaques par derrière, ça, je sais pas si ça one shot à chaque fois, mais en tout cas ça fait plaisir. Oui, tout ça pour une canette. D'ailleurs, faudrait que je vois si j'ai accès à des nouvelles récompenses là. Ça fait un moment. Quand la dernière fois que je suis allé, j'avais 11 canettes. J'en ai 19. Non, je sais pas pourquoi je saute à chaque. Ah oui, d'accord. Bah, je vais y retourner, hein, au moins histoire de confirmer si j'ai vraiment pris le loot, mais je crois bien. La bébête, je l'ai tuée par là-bas. Ouais, j'ai tout pris. Oh l'enfoiré! Ok, moi comme ça je suis tranquille. Je sais que j'ai tout récup. Ah, eux ils vont me faire chier. Ça, ces ennemis là je les aime pas. Ils ont une attaque qui te paralyse quasiment quoi. Et ils arrêtent pas de te tirer dessus. Ah, c'est là en dessous? Ok, faut que je trouve un moyen d'entrer. Il y a un élément là. Oui! Oh, la fosse de Levoir. Qu'est-ce qu'il y a à la fosse de Levoir? D'après les données cartographiques, c'était un centre de recherche en armes. Oh, ok! Ça a un lien avec les Naitiba. C'est ça leur missile tiré du fion, exactement. Entre les missiles et puis même à un moment ils ont genre une mitraillette et puis en fait tu peux rien faire, tu subis le machin. Et quand on a deux qui te font ça, t'es pas bien. Alors on a quoi? Je peux augmenter le nombre de missiles jusqu'à 24. Équipe déjà permettre qu'on. Ok. Bon après c'est vrai que je. Tu vois, j'oublie à chaque fois de me racheter des balles.
Parce que c'est pas donné. Ok. Ouais, leur laser rotatif. Alors ça, pour les esquiver. Surtout, je crois qu'ils font deux tours, un truc du genre. Et ils te font tellement mal à chaque fois. C'est même pas genre par terre, t'es immortel. Non, loin de là. Même par terre, tu subis des dégâts. C'est horrible. Bon, du coup, je fais ma petite pause symbolique. Quelques petites minutes. Je vais mettre un petit son. Merci pour ton petit prout, Malilou. Tu sais que ça me fait tellement plaisir quand ça vient de toi. Sachant qu'en plus, les femmes, ça ne proute pas. Ah là 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 là. Allez. Ah, tout de suite. Bande de petits fifous. Bon bah, je suis désolé. Je sais que vous êtes en train de vous ambiancer sur les sons. Mais bon, hein. La prochaine fois, mon Mika, je te mettrai du Maître Gims, t'inquiète. Essaye d'imaginer. Mika, je dirais 45. Ouais, hey, Lilou, copieuse. Moi, mais pas loin. À 43, alors. Putain, elle est tatillon pour un an ou deux. T's. C'est toi? Oh non, pas elle. Oh non, je dois... Oh putain. Oh non. Le 30 prochain, ok. Oh non, je vais devoir me retaper celle-là. Bon bah de toute façon j'avais pas le choix, hein. il faut y aller. Hey, surprise motherfucker. C'est trop ça. Dois-je passer une autre épreuve? Oui. Oui. Aucune exception. Chael, possible. Je te déteste. Sache-le. Ne perdons pas de temps. Oh, au moins le combat il commence vite. Alors, t'as vu depuis la dernière fois? Je suis balèze, hein. C'est vrai qu'elle récupère ses trucs, je peux pas. Allez. Vite, la soignance, putain, il me reste un PV, j'avais pas fait gaffe à ma vie. Bien joué. Oh, la belle esquive qu'elle m'a faite. Bien. Par contre... Ah, j'ai cru que je l'avais fait bugger, mais elle m'attaque plus. Bah, continue à pas m'attaquer parce que moi, je vais te défoncer, hein. Ah bah, je crois qu'elle a bug, hein. La tarba. Il lui restait un point de vie. Allez, nick. Ah, c'est sa sœur. Les rumeurs disent vrai, étrangère. Cette zone est plus sombre et profonde que la précédente. Bizarre leur talon quand même, on dirait quelle chose du ventre. Merci mon Mika, first try. Enfin first try, bon je suis quand même dead, hein. Ça va alors, je suis jeune moi. Mais oui, mais oui, nous sommes tous jeunes. Je t'ai déjà dit Malilou, c'est dans la tête, toujours dans la tête. Tu ne deviens qu'un vieux con aigri que si tu habites à Paris. Hein. Putain, je me mets des millions de personnes à dos. Ouais, ouais, t'inquiète. Eh
Et quand tu auras 40 ans, tu diras bah j'ai même pas 50 ans. Et quand tu auras 50 ans, tu diras mais je suis jeune, j'ai même pas encore 60 ans. Pas de lame, comme au plateau le voir. Eh hey, merde. Pas de scanner de drone non plus. Oh c'est nul. Lily, mais tu remplaces Adam. Il est encore occupé à réparer le tétrapode. C'est ce que ah, je me dis, j'ai pas 40... Bah ouais, t'as pas encore 45 ans. T'as. Mais t'as vécu une époque incroyable. Les années 80. C'était tellement merveilleux. Personne se prenait la tête pour des conneries comme aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, les gens se prennent la tête pour savoir si ce sont des mecs ou des femmes. Ou des arbres. C'est ça qui est triste. Wow. Wow. Et je peux pas le... Attends. Je pouvais pas le viser. Oh le piège à con. J'ai failli me faire avoir. Mais tu ne m'as pas eu. Non. Oh putain. Tu vois, Malilou, elle s'identifie pas à une fougère. Elle se prend pas la tête. Soyez comme Lilou, bordel. Ouais, je vais prendre ça. C'est vrai que je l'utilise quand même pas mal, ce truc. Nanana. Super. C'est bon, maintenant je suis prêt. Prête. Attends, ventilateur, je peux pas, analyse impossible. Wow. Tu vas trouver un chemin à droite. À droite. Où ça? Ah, où ça à droite? Oh ça va, j'ai failli me faire enfin j'ai failli me transformer en kebab. Il faut un moyen pour désactiver la sécurité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Ah kebab! Je suis en mode kebab! Merde! Maintenant que j'ai fini le jeu, je ressens le blues quand on finit un grand jeu. Je vais faire quoi maintenant? Ah ouais, ça c'est horrible. Merde! Mais ça c'est ta faute, Mika, parce que j'étais en train de te lire. De toute façon, il faut que je trouve quelqu'un, donc c'est ta faute. Ça va, j'ai que 36 ans. Divisé par deux, Lilou, merde. Allô, quoi. Alors, lui, dès qu'il se barre... Bam! Par ici! Dépêche-toi! D'où par ici? D'où? Oh non, non, non! Wait! Oh là là, j'ai fait bugger le jeu! J'ai une chatte! Incroyable. C'est une ruche. Fais-la exploser. Ça devrait désactiver la sécurité de cette zone. C'est bon? C'est fait ou je suis encore transformé en kebab? Quoi? Mais d'où? Je vous mets un Makiev bien saignant. Bah là je pense, ouais, là c'est ultra saignant. Ouais Mika, le fait de terminer un grand jeu, ça c'est terrible. Moi je crois, la dernière fois vraiment hein, ce que ça m'est arrivé c'est The Witcher 3. Donc c'est pas tous les jours que ça m'arrive ce genre de truc.
The Witcher 3, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah allez, je recommence le jeu. En difficulté, marche de la mort. Et du coup, je l'ai fini. En difficulté, marche de la mort. Oh non! Non! De quoi, hein? Putain, à chaque fois, je me retape depuis le début, quoi. J'ai ressenti ça après Zelda. Ok, ouais. J'ai jamais eu la patience d'aller jusqu'au bout. C'est un très grand jeu, mais j'ai jamais eu la patience. C'est bon ? Les six se sont arrêtés. Enfin. Ah, c'est chiant de pas pouvoir analyser. Bon, de toute façon, j'ai des munes partout. Ok. Gemalilou, bientôt le niveau 20 pour toi. Bientôt, bientôt, bientôt. Nul, j'ai rien gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pourquoi est-ce qu'ils me mettent ça ici? Ouh, c'est pour récupérer des trucs. Je n'ai fait que ça pendant 4 mois. Quasi 300 heures de jeu. Je les rince. Ah ouais, ouais, ouais. Je vois ça. Pourtant, je l'ai, hein. Je l'ai sur Switch. Module d'amélioration du drone. Allez, ouvre-toi. Hall fermé. FBI! Oh, il y a des trucs sympas à l'intérieur. Eh bah alors. De toute façon, non, je suis dans la merde parce qu'il faut quand même que je descende. Recharge de mine. Voilà, merci beaucoup. Hop, on y va. Il y en a un qui m'attend là. C'est ça. Open your door. Du coup, t'as vachement accroché alors au truc du Zelda. Et t'as passé autant d'heures avec le on dernier. Va devoir déplacer... Eve, attention. Merde. Ah non, mais c'est le dernier, Tears of the Kingdom. Donc t'as accroché au concept du jeu là. Je croyais qu'il fallait que tu pouvais construire des véhicules, des trucs comme ça. En tout cas, c'était vachement poussé. Merci pour le prout. Oui, oui, c'est le dernier. C'est le dernier. J'ai confondu avec l'autre. Ça me rappelle le labo de recherche. Ouais, ça me rappelle plein de choses aussi. Mais du coup, j'ai pas fini de visiter tout ça. Allez à la salle de contrôle. T'inquiète, je vais y aller à ta salle de contrôle. Voilà. Ah, je peux pas l'utiliser, c'est fermé, c'est ça? Bah ouais, bien évidemment, c'est toujours fermé. Ah, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Bon, on se barre. On peut bientôt le voir. Il y avait un panneau pour la porte dans la salle de contrôle. Je suis pauvre, j'ai plus de points. Bah ouais, mais tu utilises trop de points, faut les garder. J'ai presque autant sur Breath of the Wild. Ok. Breath of the Wild, je crois que j'ai fait un des... Je crois qu'il y a 4 grands boss avant de, d'aller affronter le grand méchant. Ganondorf. Quelque chose doit rôder dans les parages. Je crois que j'en ai battu un. Un sur les 4 et puis après j'en avais plein le huc. Oh ouais. Merde, je savais pas que ça tournait. T'inquiète Malilou, tu sais que les points ça revient tranquillou hein. T'as pas à t'inquiéter. Peu cher. Oh non, du coup tous les ennemis sont de retour, c'est ça? Oh super. Il est là, il m'attend. Du coup, je vais lui tirer dessus. Bam. Voilà. Et oui, tous les 20 minutes. Ah. Ouais. C'est pas moi qui fais les règles. Tu sais que je peux pas toucher au point de chaîne. Hein. Alors attends, là ça va tourner. Là c'est tourner manège avec. Alors attends. Et alors attends, moi ça one shot. C'est pas vrai, c'est quoi ce truc à prout? Alors attends, putain. Oh là là, ce truc à con. Oh, en plus, il faut que je recharge mes armes. Ouais, j'imagine qu'il y a une bonne récompense, Mika, si c'est aussi chiant. J'ai pas dit difficile, j'ai dit chiant. Clairement, c'est chiant. Est-ce que là... En plus, il faut que j'attende qu'il se réveille. C'est bon ? Non ! C'est bon. Putain. On est en sécurité. Pam 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 pam. Alors qu'est-ce que t'as de beau ? Ah, une combinaison de plongée planétaire. Pour pas grand chose. J'ai l'impression qu'on prend trop de risques pour pas grand chose. Ça dépend de la tenue, ça dépend comment elle est, hein. Oh, merci, merci, Miga. Ah, voilà. Oh, le fils. Oh, la violence. Il adore. Laisse-moi tester sur cet ennemi-là parce que je l'ai pas tué. Ah, ouais, d'accord. Ah, il est pas là pour rigoler. Hein. Ah, le chauvretine, ça fonctionne du feu de Dieu. On va recharger tout ça. Non, putain, j'ai utilisé une grenade. Bon, c'est pas grave. J'aime bien dire que c'est pas grave. Si, c'est chiant, ça coûte de l'argent. Ah, je voudrais quand même finir ce niveau. Hein.
Attends, parce qu'il y en avait 3 à la base, hein, ici. Ils sont où les autres? Ah, mais attends, c'est vrai que je suis pas allé me soigner. Mauvais réflexe. Ouais, surtout que je viens de débloquer la chevrotine. Est-ce qu'il y aurait un secret avec ça? Je pense pas. Ouais, je peux pas taper les caisses. Voilà. Non mais s'il y en a d'autres, dites-moi hein, parce que moi là je suis chaud hein. J'ai pas rechargé mes munitions. Ah, ça recharge quoi? Ok, ça recharge pas la chevrotine. Ok, ça aurait été trop beau. Là, il y a des trucs là dans cette pièce. Il y en a un d'autre derrière qui s'est réveillé. Oh là 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 là. Ouais, j'ai récupéré une petite balle de chevrotine. C'est trop facile, sinon ça rechargerait tout. Ouais bah écoute, moi je m'attendais à ça. D'aération. J'avais même pas fait gaffe au mec qui était par terre, moi. Alors, qui y a là derrière? Vas-y. Personne. Mika level 16. Putain, t'as gagné 2-3 niveaux aujourd'hui. C'est long, Mika. Yes, la porte qui était là-bas. Let's go. Parti au flingue, ça me va, moi j'aime bien en vrai. J'ai entendu un bruit. Ah ok, je viens de capter ce que c'est le bruit. Je vais promener le toutou, tu veux pas le promener le mien aussi en passant Malilou? Ça m'arrangerait. En parlant de ça, j'ai récupéré 5 de ses dents. Je suis trop content. Il me les déposait à mes pieds et tout. Oh putain, vous allez me lâcher? C'est beau, c'est de toute beauté. Ça a un petit côté Matrix. Oh le fils. Qui me crache dessus? Ah putain! Eh hey, mais y'en a tant que ça?
Même si ça va, même si c'était, j'aurais pu continuer sans les massacrer. Cool pour les niveaux pour moi. Ouais, non, mais c'est cool. Bah après, il y a le leaderboard qui est en dessous du live. Il y a toutes les statistiques et tout. Ouais, c'est vraiment sympa. Let's go. Alors, munitions. Attends. Y a rien pour recharger mes munitions ici? Pas grave. De toute façon, j'ai de la tunasse, donc autant l'utiliser. Ça par contre, ouais, c'est vrai que je vais quand même en racheter un. Parfait. Et là, c'est quoi? C'est le boss? Non, encore. J'entends des ennemis, je suis pas... C'est Explosion Boy. Merci pour le fruit. Cette porte est verrouillée aussi. On doit trouver un panneau. T'inquiète, on va le trouver le panneau. Gracias per les proutes. Attention, Emile, derrière vous, c'est affreux. Ok, personne. Ah si, bien sûr qu'il y a quelqu'un. Voilà. Easy. Allons vers la porte qu'on a ouverte. Ok, avec grand plaisir. Mais là, ils vont tous débarquer, c'est ça? Ils vont débarquer d'en haut. Oh le... Non, c'est bon, il y a avec lui. Attends, chat mis en pause, pourquoi? FDP? De quoi FDP? J'ai rien dit moi je suis ultra poli. Je fais attention moi. Sur Twitch, faut faire très attention à ce qu'on dit. Et il y en a des salles de sauvegarde hein. Ah, le mec qui m'attendait, oui, clairement, ça se voyait que sa maman travaillait au bois de Boulogne. Pour m'attendre derrière une porte. T'as vu ça? Ça grouille de Naitieba de l'autre côté. Mais on dirait que c'est la seule façon d'aller à l'intérieur. Je vais essayer de déverrouiller la porte. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là, ça pue le big fight. Oh, pas le choix que d'aller par là. Aucun ennemi qui m'attend. De toute façon, il va y en avoir juste après, donc... balance ton laser, balance ton porc. T'inquiète. Bon, retournons à la porte. Wouah!
Ah putain, ça dure pas assez longtemps. Ah, ça défouraille, ouais. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Ah, il y en a encore un qui rentre. Ah, il y en a même deux. Moi, j'aime bien ces petites phases. Ça relaxe, là. Après une bonne journée, bah... Il y a toujours un mais. Ça ne va pas être simple. Lily, allons-y. Il y a toujours un mais. J'ai quoi? J'ai deux points, je crois, non? Ouais, j'arrive bientôt aux trois. Ouais, après, je vais améliorer tout ça. Après ça, et après une parade parfaite. J'ai de la mune. Cet interrupteur doit désactiver la sécurité. Ok, faut que j'arrive là-bas. Putain, j'ai cru que ça allait venir sur moi là. Alors attends, il faut que je visualise le truc. Comment tu veux que je passe ? Merci Monica. Ouais, si je tombe, c'est la loose. Eve, la température augmente. Du calme. Tu n'as rien vu, ce qui s'est passé, c'est un bug du jeu, encore une fois. Oui, oui, c'est toujours l'essai, ouais. Là, je suis encore en essai. Pam, pam, palalata. Monte. Voilà, merci. Lâche. Putain, c'est pas vrai. Désolé pour l'angle de caméra, hein, c'est pas fait exprès. Tu veux que j'aille où maintenant? Tu veux que j'aille où? Tu veux que j'aille où? Je capte pas. Attends, je vais là-dessus. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Je crois qu'il faut que j'aille là, non? Je suis quasi sûr de pas y arriver comme ça. Ah si. Putain. Il faut que j'attende que les lasers viennent derrière mon cul. Non. Non. Hésiter. L'hésitation de trop. Ah là non, là c'est pas très lisible non ce qu'il faut faire, mais t'as plein de lasers de différentes couleurs. Après, une fois que t'as capté le truc, ça va.
Allez, monte, monte, ta race. Non, ne monte pas. Qu'est-ce qui m'a pris de monter? En fait, c'est le laser jaune là qui traverse, qui m'a fait hesitated. Mais là, c'est bon. Non. Oui. Non, oui. Let's go. Chut. C'est pas de la chance. C'est que du talent, que de la maîtrise. Allons vers la porte de l'autre côté. Oh, cette maîtrise. Et d'où tu dis que c'est de la chance? Tu lui as dit de monter, elle monte. Ouais, ouais. Elle obéit, mais bon. Attends, là c'est quoi l'objectif? Ah, faut que j'aille de l'autre côté. Pam, pam. Parfait. Là y'a rien, ok. Nul. Ah. Si, y'a quelque chose ici. Ah, ça fait plaisir. À montrer dans toutes les écoles de game, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors dis-moi que c'est un normal. Merde, c'est pas un normal. Ça, c'est ce que j'appelle ne pas être... Ça, c'est ce que j'appelle ne pas être lisible. Allez, vas-y, commence, vas-y. Voilà, c'est bon. Oh, du nano-élément, mais pourquoi pas. Prie toujours pour ne pas avoir ce type de coffre de merde. C'est trop ça. Pour l'attente. Tu veux y aller? Trop tard, on y est déjà. Oh, de la verdure. Quoi? Comment? Le système de sécurité n'est pas activé? Adam, tu peux vérifier si on est proche des trois cellules? Une minute. Hypercellule est après le labo de recherche. Et donc? C'est maintenant. C'est franchement pour moi, Mika, c'est les pires coffres ceux-là. C'est, surtout que le temps, il court toujours contre nous, quoi. Toute cette aile s'est effondrée. Et on peut pas continuer à la nage? Impossible. L'eau est électrifiée par des câbles à haute tension. Ah, qui est super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va falloir utiliser ce qu'on a sous la main. Bon bah, let's go. What? What? Geronimo! C'est bon, ça passe. Oh putain, comment... Je me souviens plus comment on court sur ces murs à la con. Faut que j'appuie sur rond, je crois. Allez, pipou! Allez, pipou! Non! Allez, pipou! Si. Je me souviens plus. On les a pas tous les jours, ces murs là. Dans le jeu, c'est pas souvent. Laisse appuyer sur croix. J'ai pas laissé appuyer sur croix. Bien sûr, à montrer dans toutes les écoles de gaming, encore une fois, cette maîtrise incroyable du gameplay.
Tu rigoles, moi je transpire là. Voilà, tu vois. Easy. C'est ce que je dis depuis le début. Face casse-pied, ouais. Tu m'étonnes. Ah mais tu vois, c'est ça qui est bien dans le jeu. C'est qu'ils ont réussi à trouver un genre d'équilibre. Tu vois, pour pas que ça soit trop chiant, trop saoulant pour les joueurs. Et ça, c'est très bien. Et ils ont pas fait de forcing. What? Hey, salut petit robot! Ah merde, je suis obligé. Excuse-moi. Hein. Je suis obligé d'aller avec l'arme. Mais ouais. On devrait pouvoir atteindre l'entrée du centre de recherche avec la corde. Oh attends, il y a un gros coffre là-bas, frérot. Il y a un très gros coffre. Avec un très gros ennemi à la con qui m'attend. Et je vais l'avoir dans le cucu ou pas? Je peux l'avoir? Peut-être pas comme ça. Peut-être avec... Je vais y aller avec la chevrotine, fuck. Oh la violence! Et il a rien compris à ce qui lui est arrivé. C'est quoi ça? Ah putain, c'est vrai. Ça, ça va. Les potions. Sinon, ouais, je suis d'accord. Le jeu touche un peu tous les styles. Et justement, c'est pour ça qu'il me rappelle beaucoup Nier Automata. Sur pas mal d'aspects. Et pas seulement sur la culotte de l'héroïne. Et voilà. Quoi? Et pourquoi tu me ramènes là? Je capte pas pourquoi il me fait ça. Eh, crade, elle change jamais de culotte. C'est une ange. Les anges ne sont jamais crades. Il faut que je monte sur ces machins? Ah oui. Super. De quoi, moi? T'as pas l'air convaincu. Les anges ne changent jamais de culotte. T'as déjà vu un ange sale? Moi jamais. Donc ça se tient. Je trouve que c'est un bon argument. Attends, parce que là ça part en steak, je comprends pas où je dois aller. Alors là, il y en a un. Est-ce que je prends le risque? Non, parce qu'il va venir à moi. C'est bien. Là, il y a la corde. Moi, je viens de par là. Allez, on se balance. Voilà, tiens, avec ton bouclier de merde. Bouffe! Bouffe ma chevrotine! Ouais, t'es sûr. Fais gaffe à toi! Chevrotine dans la gueule! Chet! Eh ouais! On peut m'avoir une fois, mais pas deux fois. Enfin, si. Une fois, mais pas 15. Comme si Thomas, comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, t'as déjà vu une ange propre aussi? Oui.
tous les jours. Oh putain. C'est vraiment, on est dans des phases de Tomb Raider. Oh non! En vrai, je m'en fous, a explosé sur moi, mais j'ai pas envie de tout recommencer. Pouf. Bien sûr, c'était fait exprès. Je suis venu ici parce que j'ai vu qu'il y avait ça, tu vois. Et en plus, c'est par là la suite. Oh! Bien sûr, toujours la maîtrise, toujours. La vérité, j'ai cru que j'allais recommencer depuis le début, j'étais vraiment pas bien. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? Non. En vrai, j'entends des bruits un peu bizarres. Parce que je viens de par là, normalement. Ouais, je viens de par là. Ah, c'est lui que j'entends. Ok. Il n'y en a pas d'autres. C'est bon? Wow, on a réussi! Pourquoi elle dit on? J'arrive pas à croire que t'aies pu traverser. Bien joué, Eve! Y a pas de on là-dedans, je suis tout seul. Un camp de ravitaillement. Parfait. On va pouvoir se regrouper. Eve a une trace de putain. Hé! Parle pas mal de notre ange. La magnifique Eve. Ah, j'ai récupéré des trucs pour la nano combinaison. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai récup? Ah, c'est celle-là que j'ai récupéré. Ouais, elle est mimi. Combinaison de plongée planétaire. Allez, je l'équipe, ça change. Est-ce que j'ai des munes? 5, 12, 3, 16, parfait. Et je crois que j'ai oublié un truc. T'as vu que là, elle a changé de culotte? C'est toi qui ne veux pas voir. Oh putain, c'est reparti pour une testicule de Yaya Phoenix. Je vais aller au corps à corps, je vais lui plomber de chevrotine. Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de munitions que la première fois. Ah merde, mais je crois qu'il faut viser les points faibles avec ce con. Ouais, t'as déjà affronté. Et j'ai failli rester d'ailleurs. Oh putain! J'aurais pas dû utiliser ces munitions, hein. Putain! Plus de munitions? Ah si. J'en ai récupéré. Merde. Arrête, calme-toi frérot. Avec ton laser là.
Alors attends. Mais non. Oh, j'ai fait le con, j'aurais pu le terminer. Oh putain. Ah mais putain, les ennemis au sol qui explosent, je vous déteste. Merci pour les allez fifou, vous inquiétez pas, je vais me faire plomber le cul si ça continue. Voilà, c'est bon, first try. T'as réussi. Mais bien sûr que j'ai réussi. Plus facile que je pensais. Finger in the nose. Là. Jetons un œil à l'hypercellule. Merci Mika, merci. Allez. L'hypercellule est intacte. J'ai aussi trouvé un héritage. On dirait qu'il a été mis là pour qu'on tombe dessus. Je suis de plus en plus curieux. Voyons ça de plus près. Jetons-y un œil. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre de beau ? Jour 78 après la seconde plongée, 8e enregistrement. Héritage de Raven. J'ai découvert d'importantes archives de l'humanité. Une guerre a été initiée par la matriarche, et comme chacun le sait, l'humanité anéantie. Les humains ont cédé leur place aux androïdos. Les androïdos se sont proclamés nouvelle race humaine. Soutenus par la matriarche, ils ont fait d'immenses progrès et contribué à l'avancement de l'humanité. Et les survivants, les véritables humains, ont fui dans des complexes souterrains. Certains, dirigés par Raphaël Marx, ont attendu à cet endroit une opportunité pour riposter. Pendant ce temps, les survivants ont évolué au point d'obtenir toutes les capacités pour affronter les androïdes. Le fruit de l'ingénierie génétique et d'une évolution rapide. Des êtres qui ont tout perdu. Tout sauf leur instinct de survie et leur force brute. Voilà ce qu'ils sont devenus. Des monstres. Les monstres que nous combattons. Tels sont les Naitiba. Les Naitiba, c'était des humains. Donc, tous ceux que nous avons tués, c'était tous des humains. J'arrive pas à le croire. Mais cette usine de production est très certainement faite pour des Naitiba. Si les Naitiba étaient des humains, si nous combattons les humains, alors nous sommes... Des Androïdos ? Est-ce la vérité ? Des créatures entièrement créées par la matriarche. Non ! Nous sommes humains. Nous avons un corps fait de tissus liés harmonieusement avec des machines. Les Naitiba sont incomplets parce qu'ils sont uniquement composés de tissus vivants. Ils ne peuvent pas s'adapter à leur environnement ou survivre dans l'espace. Mais, et si notre fonction était de pallier ces imperfections ? Alors ? Pourquoi la matriarche nous cacherait-elle la vérité ? Je dois réfléchir.
T'as raison. Nous avons besoin d'aide pour comprendre la situation. Je pense vraiment que nous devrions en parler à Orcal. Ouais, bonne idée. Ouais, c'est ça, Mika. Double révélation. Truc de fou. Ça m'empêchera pas d'éliminer tous les ennemis qui seront devant moi. Hein. Exactement. M'en fous, je suis le Terminator. I will be back. Vous êtes là. Excellent travail. Hé, hey, Eve, je vais m'occuper de l'hypercellule. Orcal. Je vois que tu as quelque chose à me demander. Mais elle va tu blasphémer. Tu as trouvé la bibliothèque de Levoix. Si elle lui dit des trucs comme ça. Nous voulons connaître la vérité. Oui. C'est une très longue histoire. Nous sommes assurément des humains, mais ce n'était pas le cas il y a peu de temps. Il est vrai que ceux qui nous ont précédés étaient responsables de la création de la matriarche. Ceux que l'on appelle aujourd'hui les derniers survivants humains. Ils nous ont créés, nous, les Androeidos, par le biais de la matriarche. Et pendant longtemps, nous avons vécu en symbiose avec eux. Nous sommes des androïdes. Nous avons été créés. Mais pourquoi la matriarche? La raison est inconnue. Mais la matriarche a fini par prendre une décision. La survie de l'humanité dépendait d'une réorganisation des espèces. De ce conflit est née la guerre. Et la terrible menace de l'extinction des humains. C'est impossible. Ceux qui ont échappé à la destruction se sont dispersés aux quatre vents, mais certains ont réussi à fuir et ont trouvé refuge dans les ruines de Levoix. À l'origine, ce complexe avait pour but de faire évoluer génétiquement l'humanité. Après tout, l'espérance de vie des derniers humains était extrêmement courte. Cet endroit est le lieu de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les Naitiba. Les enregistrements des héritages disent la vérité. Depuis le début, nous sommes en guerre contre nos ancêtres. Mon lien personnel couvre désormais une zone assez vaste. Le prochain Naitiba Alpha ne se trouve pas sur Terre. Alors, que comptez-vous donc faire? Mais... Pas sur Terre? Tout ça ne change rien au fait que les Naitiba sont nos ennemis. Très bien. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous devons atteindre le nid grâce au noyomètre. Je veux les coordonnées du Naitiba Alpha. Comme vous voudrez. À votre retour, je vous raconterai la suite de l'histoire. Ou peut-être vaudrait-il mieux que vous l'appreniez de la bouche du natif ancestral. Ouais, en fait, depuis le début, on défonce des humains, quoi. Nos créateurs. C'est vraiment Terminator, quoi. C'est la petite musique qui va pas avec les révélations. Ah, tu vas donc partir. J'aimerais recueillir plus d'infos dans cette zone. Compris.
Prochaine destination, l'ascenseur orbital. J'ai capté le signal émanant d'un Aitiba Alpha tout au bout. Tout au fond de l'ascenseur? Tu veux dire, dans l'espace? Oui, dans l'espace. L'ascenseur orbital 4 marchait encore. De toute façon, vous s'en foutez, vous respirez pas. Mais l'atteindre ne va pas être facile. Les Naitiba l'encerclent depuis bien longtemps. Utilisons les données cartographiques pour élaborer un plan d'infiltration. Ouais, c'est ça, Mika. Eve, l'objectif accompli. Assurez-vous d'être toutes les deux bien préparées avant de partir. Juste avant la LDC. J'imagine qu'il va y avoir plein de nouvelles missions. Oh oui, bien sûr. Pourquoi vous dites que ce sont des humains? On vient d'apprendre que non. Oh oui, j'ai vraiment de quoi faire en off. J'arriverai absolument pas à finir toutes les missions et tout ça avant le prochain live. Mais j'aurai le week-end. Je suis même pas sûr. Mais moi, les missions de jeu ne me dérangent absolument pas, bien au contraire. En plus, la plupart sont scénarisées, donc elles sont sympas. Lily, est-ce que tu as vu Adam? Hein? Il était là il y a une minute. Je suis sûre qu'il va revenir. En attendant, vérifions ton châssis corporel. Ouais, Square Enix devrait en prendre de la graine. Eve, t'as recueilli beaucoup de données de combat ces derniers temps. Nous allons pouvoir répartir tes cellules pour augmenter tes capacités offensives. Ça risque de faire monter la pression, mais nous pourrions augmenter le nombre de prises pour équiper une exospin supplémentaire. Ça me serait très utile au combat. Installe-moi ça tout de suite, tu veux bien? Oui, une minute. Ça risque de piquer. Ok, Eve va être mise à jour. Et... voilà, fini. Merci, Lily. Extension d'emplacement d'exospin. Ah, sympa. Qu'est-ce que je vais foutre? Peut-être mettre celle-là. Étant donné que moi j'aime bien les parades et tout. Augmente la jauge maximum d'énergie spontanée. Faut juste que je l'améliore et puis on est bon. Alors les canettes. Ah, il m'en faut 21. Nombre max de potions hautement concentrées plus 1. On dirait que Sony n'a pas touché à la tenue que tu peux débloquer. J'ai dit que j'allais débloquer tous ces trucs là. Merci pour les proutes. Ma petite proute, ma petite Lilou. Ouais, mais t'as vu l'actrice en vrai? L'actrice sud-coréenne? Elle est magnifique aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, la bien-pensance, la bien-séance, ceux qui veulent... qu'on pense tous comme eux, veulent qu'on contrôle des mochetés infernales. Bref. Comme dit le créateur du jeu, c'est un peu un fantasme, ce qu'on contrôle. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Elle est ultra mignonne. Bref. Je vais en rester là pour ce petit live à une demi-heure de l'autre demi-finale.
qui risque d'être très sympa, la demi-finale Real Bayern. Ah Lilou, on parle foot, c'est bon. Elle est partie. Du coup, en plus elle est le miroir des monstres. Les duos sont moches. Ah ouais, clairement, les monstres sont affreux. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a une bonne variété aussi au niveau du bestiaire. Ça, c'est vraiment sympa. Du coup, restez là pour gagner quelques petits points en plus. Les petits fifous. Je vais vous envoyer chez mon petit chouchou. Mon petit chouchou qui est sur Phasmophobie. Donc accrochez bien vos petites ceintures d'amour. On se retrouve demain, même heure, pour la suite de God of War. J'espère que je pourrai continuer un petit peu celui-là en off. On verra bien. Là, je vais manger peut-être tranquille. Ouais, pareil. Oh, si, là, je vais manger. En tout cas, merci énormément, mon Mika, pour ta présence. Merci également à Malilou d'être passé. Et tous les autres qui reverront ça en off, hein, sur YouTube. D'ailleurs, coucou YouTube. Et encore un grand merci. Prenez soin de vous, les amis. Et à tout bientôt. Ciao.